Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo bien sympathique, hein. Fabrication maison du fromage de chèvre, comme on fait chaque année maintenant depuis quelques années. Donc on fait également du fromage de vache, de brebis et donc de chèvre. Donc avec du lait du petit producteur, voilà, c'est pas du lait de supermarché, hein. Voilà, surtout pas. Du bon lait de chèvre, du petit producteur bio. Donc ensuite, bah, le procédé, comme j'avais donc dû vous montrer sur une vidéo ancienne, vous pouvez donc regarder. La prise au jus de citron, fait cailler le lait tiède. Ensuite, bon, bah, on met dans les faisselles et petit à petit on retourne, etc. Puis quand le fromage commence à être bien consistant, on démoule, on sale et puis bah, on laisse affiner tout doucement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, les bons petits fromages de chèvre maison, voilà. Donc là, on va les mettre dans la mini cave d'affinage donc qu'on s'est fabriqué. Hein, vous voyez, c'est tout simple à faire. Hein. Voilà, avec du grillage très fin pour pas que les mouches y aillent. Et donc, on pose nos fromages, on laisse affiner tout doucement. Suivant vos envies, si vous voulez sec, très sec, ou assez moelleux, ou tendre, ou frais, voilà. Tout dépend des envies des gens. Et puis, sur le bon coin, on a pu trouver des faisselles en métal. Voilà, de temps en temps, on cherche comme ça des petites choses, pas très chères. Donc, quelques euros. Des bonnes petites faisselles en métal qui nous changeraient un petit peu des faisselles plastiques qu'on a. Voilà. Voilà les amis. Ben, en espérant que vous allez faire de même. Hein. Faites vos fromages vous-même si vous êtes à la campagne. Et franchement, je vous dis, le goût, c'est autre chose. Voilà les amis. En vous souhaitant un bon petit week-end à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À une prochaine vidéo. À ciao ciao.